bien le bonjour tout le monde, c'est Ben. Science log, chief science officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the Markham, but the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Donc salut tout le monde, c'est Ben et j'espère que tout le monde va bien. Et donc aujourd'hui nous avons notre cher Isaac à l'écran au programme pour ce troisième épisode de Dead Space sur PS3. Jeu donc fait par Electronic Arts. Et donc du coup j'ai pas bien pu lire ce que nous a dit la cutscene. Donc apparemment il y avait un professeur qui faisait des recherches à bord de cette station sur les sur un organisme spécifique, peut-être sur le lieu de ce corps étranger que nous affrontons là. Alors est-ce qu'il s'agit de pareil d'une bactérie ou d'un virus, ou est-ce vraiment un corps alien qui prend possession donc d'un corps humain donc, et qui devient qui le prend en tant qu'hôte, je ne sais pas. Oh, on est dans une morgue là. Oh, oh. Ça commence bien. C'est quoi, c'est un boss? Il est long là, ce temps de chargement, je trouve. Fallait juste vraiment y aller comme un bourrin quoi, et surtout pas le louper quoi, ça devait être ça. Codes received and they look good, thank god. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. Là-bas on va aller trouver je ne sais quoi encore. Alors, laboratoire médical, docteur Domus, examinant rapport concernant la mort sur le bateau du sujet du capitaine Matthews Benjamin. It is my side duty. C'est la triste. Je sais pas, le triste aveu de prononcer officiellement la mort du capitaine Benjamin Matthews. Le rapport
Les circonstances exactes de sa mort sont répertoriées ici. Et derrière le rôle qui était le mien, je peux seulement reporter son corps. Le sujet a été généralement bien soigné pour son âge. Je crois que c'est ça. Bien entretenu ou bien médicalisé, quelque chose comme ça. À travers les tests de sang indiquaient les leucocytes étaient vraiment lents avec eosinophils. En particulier avec, je sais pas, l'œsophage en particulier, almost, entre non existant. Les examens physiques approfondis n'ont pas fait de recherche problématique, c'est ça, et qui indiquait rapidement, peu importe. Ça pour arriver au résultat du décès. Multiples contusions et armes au niveau des mains indiquaient des symptômes post-mortem. Ça, des contusions autour de la cage thoracique, suggestion et restreint in some way, cause de la mort restreint. Chose véritablement non élucidée, je sais pas. Les causes de la mort ont été simplement prolongées par un traumatisme oculaire du corps dans lequel continuer vers les cavités principales et finalement pas principales, rôle dans les murs des cavités, hein, autour des cavités, dans les parois des cavités peut-être, et finalement dans le lobe frontal, cause rapidement traumatisme neurologique ou effet neurologique, césure, and dead, et mort, la force requiert le cœur qui évite, the possibility of infection correspondait, dis donc, c'est une bien triste histoire ça, le capitaine Benjamin Mathius. On va faire en sorte d'améliorer l'arme aussi parce que je trouve que ça commence à être faiblard. Maintenant, on va peut-être, je vais peut-être commencer à croiser des monstres un peu plus balèzes. Et si mon arme, je trouve pas, eh bien de meilleur arsenal, ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est ces symboles sur le mur là? Je ne sais pas. Là, dans les morgues, il n'y a rien à trouver, si. Du crédit. Pas pour ouvrir. Elle est immense, hein, cette morgue. Go to engineering. Okay. Ah, ça m'a ramené ici. Ouais. Oh, pardon, excusez-moi, je voulais. Là, je fous la zone, moi. Donc, il faut aller où là? Il faut aller là? Thank you.
vraiment faire gaffe, hein. Ils sont très dangereux. Puis on les voit pas forcément bien en plus. Oh, qui m'a fait peur lui. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, enfin bon, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. On va améliorer l'armement. Mais il n'y a pas d'armurerie ici. Il n'y a pas d'armurerie. Merde, mais pourquoi? Normalement, j'ai le souvenir qu'on pouvait accéder à ce panneau là. Pourquoi je ne l'ai pas là? Là, il y a le store. On va mettre des choses en boutique déjà. Et peut-être que là, je peux. Je vais peut-être acheter ça en fait. Hein. Le line gun. On va acheter le line gun ici. Sinon il y a le pulse rifle qui est à 7000, qui est moins cher. Et pour autant il y a le flamethrower, donc le lance-flamme, pardon. Donc là j'ai encore 3 medium mat pack. Donc je vais les mettre hop, dans le safe, dans le coffre. Je mets également du small mat pack. Voilà, Stas, j'en ai 3, je vais en mettre un également. Ça en fait beaucoup trop là. Valve électronique composant à vendre à la boutique pour des crédits. On va le vendre ça. Voilà, ça, très bien. Et je vais acheter. Normalement les armes, on est censé les trouver au fur et à mesure du cheminement, donc si je les achète, je vais bientôt les trouver, donc ça m'ennuie par rapport à ça. Level de suite, on peut pas encore. Le line gun. Je sais qu'on les trouve par la suite, enfin je sais. C'est pas une certitude non plus, ça remonte à longtemps. Mais il me semble qu'on les trouve, hein, les armes. On va continuer comme ça quand même. On va faire une petite sauvegarde. Des mouches aussi, comme dans la vidéo juste avant là, l'épisode 2. Bizarre, il y a des mouches dans l'espace. Donc moi je dois venir d'ici, j'imagine. Il faut aller là. Mal. Brille, brille, petite étoile. Tintintin. C'est pas ça le thème au début de l'intro là? Il me semble que c'est ça. Attention, Isaac, là, concentration.
Début du chapitre 3. You've got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Ah, vous avez vos soucis en orbite. Moi, j'ai tout autre souci ici, les amis. J'ai trouvé difficile de croire que le Himushira n'ait plus de carburant, visiblement. Ils ont été en mission longtemps pour ça. D'accord. Ah, ils devaient extraire du pétrole, du fuel. D'accord. Les lignes de fuel sont désengagées de quelque chose vraiment mauvais. C'était passé. Ok, et activité de centrifuge. Ouais. Oh. Qui est là, sauvegarde, plasma énergie, qu'est-ce que c'est ça? Le genre de machine à sous là, je sais pas ce que c'est. Personal log. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers, started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel, and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Là, ça doit être le système de... Mais j'entends plein de bruit derrière moi aux alentours, c'est vraiment flippant. Ça doit être la cabine de pilotage ici. Qu'est-ce qu'il... Oh, lui, il a été déchiqueté sur place. Je crois pas qu'il ait quoi que ce soit sur lui. Visiblement, non. J'ai pas accès au... J'ai pas accès aux commandes non plus, donc ça doit pas être... Ça peut être ici. Peut-être par terre. Quoi d'autre? J'en trouve un paquet de déplacements énergie, à mon avis. Ça va être la fête, ici. Hein. Il y a un store.
texte log. Déclare Hello F. Abe. Non, what's going? Je ne sais pas ce qui a pu se passer autour d'ici. Quelqu'un sait si le vaisseau était attaqué. It's the hell qui vient nous attaquer ici. Premièrement, le capitaine est mort. Maintenant, nous allons attaquer. Point d'exclamation. Ouais. Interrogation. Carmack dit quelqu'un est sur le pont et a tué toute l'équipe. Son équipe. Je ne peux pas croire ça. Goddamn chaos now. C'est le chaos maintenant. On ne peut pas. Sur le pont. On ne peut pas trouver quelqu'un. Tout le monde court, getting the hell, dans les portes de l'enfer ici, should probably join them. Dis donc. Yes, l'armure est ici. Bon, alors on va améliorer ce qu'on peut. Nano-circuit, très bien. Oula, mais qu'est-ce que c'est? Attendez, kinésie module. Le plasma cutter, on va améliorer le plasma cutter si on peut. J'ai deux nodos, on va améliorer capacité reload. Améliorer les dommages, je crois, non? No adjacent node détecté. D'accord. Pas bien, ça. Reload. Ah, on est obligé de gaspiller du nodeuse pour faire des trucs comme ça, quoi. Oh là là, ouais. On rejoint les trucs et ça sera quoi? Speed. Ah d'accord, ok. Bon. Sinon, c'est quoi ça? Rig. Ah, mais on peut aussi augmenter ça. L'oxygène et le... Oh là là, ouais. Pareil pour ça. J'avais pas fait gaffe ça, dis donc. Et la stase aussi, ouais. 100 points, 8 points. Énergie. Et la durée. Oh là là. Ouais. On n'est pas sorti de l'auberge. Et avant de descendre, peut-être qu'il serait bien de continuer un peu à visiter. Enfin, voilà, il fait trop noir. On ne voit rien. Oh, encore ces saloperies! Il y a un truc ici, mais je vois rien. Hein. Où
ce combat là. Oh non, non, pas eux, attendez. Je savais bien qu'il avait un corps étranger dans ce gars là. Pourquoi ça m'a ramené là en fait? C'est bizarre ça. Attendez. Ouais, il faut vraiment faire quelque chose ici à l'extérieur. Et là-bas il n'y avait rien ici, parce qu'il faut peut-être trouver des trucs. C'est fermé. Ça mène vraiment là quoi. Bon, y a rien d'autre à trouver autrement. Ça mène ici. Là j'étais monté là. Ouais. Là il y avait ça. Mais voilà, j'ai pas tout ouvert. Hein. Ah ouais, ouais, faut bien tout voir. Bien tout inspecter parce que. Voilà du crédit ici. Là il fait sombre, on voit rien. D'accord. Et quoi d'autre? Rien pour le moment. Donc c'est là qu'il faut être quoi. Donc là, malfonction, kinésie requiert. Ah oui, oui, bah oui. Alors, on va le faire venir. Voilà, ça va être ça. Ready. Espèce de bonbonne comme ça, j'imagine qu'en tirant dessus ça pète. Ouais, faudrait que j'y pense à ça. Y a un sacré comité d'accueil quand même. Bon là ça s'est plutôt bien passé. Primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. They said they were coming. We never should have let them live. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. C'est vrai que là il y a une porte qu'on pourrait éventuellement.
faire une petite sauvegarde, ça serait plus prudent. Ici. Tac. Ah, quelque chose là. Reaper. Schématique acquérée. Ah. Quoi donc ? Bring the schematic to the sword, unlock the reaper. Ah, c'est le, ok, c'est la recette, c'est le patron d'un nouveau flingue sûrement, le reaper. Unlock the reaper, ça déverrouille normalement ça. Ouais, c'est le schéma du reaper ça. Bon. Ah mais il fallait. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces trucs là? Attendez, ah oui, mais j'avais pas fait d'autre côté aussi. Celui-là. Pull down. Je sais pas quoi. Où ça? Ah, où ça? On le voit pas. Mais on le voit pas! Il était sur mon plafond? Il devait être au-dessus de moi, je le voyais pas au-dessus de ma tête. Ok, ils ont cassé la barrière, ils sont passés par là. Oui, ici. Non, allez, on s'arrache. Réapparu, vous voyez, d'autre côté. J'en ai vu un monter là. Oui, il est monté en courant d'ailleurs, comme ça là. Ok, super. Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? False alarm. Thought I saw something. Go. Donc là, il va forcément y être.
ça c'est quoi? Pulse Horn? Pour le Pulse Riff. Ah d'accord, peut-être que c'est un genre de silencieux tout comme ça. Mais j'aurais dû peut-être aller le prendre, le Pulse Riff là, vous voyez. Centrifuge to balance the ship, the gravity tethers will pull straight down to the colony. I'm heading in there now to see if I can fix it. Okay, on n'a pas le temps de traduire. Bon, à mon avis, il y a ça. Deuxième nano-circuit repère, donc. Ah, mais j'ai pas trop de nodeuse, hein, donc forcément. C'est quoi ça? Drop. Non, je veux le line. Je veux pas celui-là, je veux l'autre dessous là. C'est pas vrai. C'est pas vrai de faire ça, hein. Voilà. Et donc? Ça là? Ah oui. Mort pour le line gun? Ah d'accord. C'est pour le line gun ça. Très bien. Mais je l'ai pas en fait. Ça, je peux pas la... je peux pas en prendre. Ok, très bien. Ah, il y avait encore. Il y a des vestiaires de partout. Plasma énergie, je peux pas en prendre non plus. Je suis full. Ça va promettre tout ça. Détermination activée. Monstre. C'est qui sont? Où sont-ils? Ça, où ça? Je vois pas. Là-bas. Oh là là. D'accord. C'est un peu long, hein. Remettez la lumière, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi je peux pas ramasser les trucs sans déconner? Attendez, je vais aller poser. Je vais aller les poser, puis revenir chercher tout ça là, parce que. Ah ouais, ça le fait pas ça.
était là. J'allais poser ça, parce que c'est impossible. Il y a plein de trucs à ramasser là. Schématique Reaper, oui. Allez, move. 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 Line pack. Alors, on va poser le line pack. Le pulse round. Je vais poser. L'intrastase. Et je vais garder ça avec moi. Small aircan. C'est quoi ça? Small. Pinch de airmeter. Qu'est-ce que c'est ça? Petit R. Je sais pas trop à quoi ça sert ça, enfin bref. Le line gun, le pulse rifle. Mais il faut les acheter ou pas, ça sert à rien. Ouh, il y a le Reaper ici. Ah, mais je pense qu'il faut que je les achète au fur et à mesure en fait. Hein. En fait, on déverrouille les recettes. Et puis après, on les a à disponibilité ici dans le store. C'est ça que je crois comprendre. Donc le pulse rifle, on va acheter le pulse rifle, hein, tant pis. Yes, j'achète ça. Pour voir. Et donc, maintenant. Ça doit être ça. Et c'est ce qu'il disait, alors quand on... Avec ça, et quand on fait R2... Ah voilà! Ah ok, avec en maintenant L1 et en appuyant sur la croix multidirectionnelle gauche, enfin là haut je repasse en plasma cutter et gauche je passe en rifle. D'accord, ça doit être ça. Ok, très bien. C'est ça. Switch weapon, voilà, tout simplement. Red weapon, arme rouge, icône. De votre arme et c'est clip avec la manette, la croix multidirectionnelle. Voilà, c'est indiqué hein, par la fenêtre verte là. Très bien. On va retourner si on peut chercher ce que j'ai laissé en bas. Ouais, le rifle ça a l'air sympathique. Oh! C'est ça que je voulais faire. Donc normalement j'espère que... Non, les items ont disparu. Ça a disparu. Sauf lui là. Sauf le fuel. Ah non, non, mais non, ils sont là, autant pour moi. Et le plasma énergie. Très bien. On va le tester lui. Inquiétant.
de sauvegarde, c'est qu'il y a une raison. Medium Arcane. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici tout le monde ? Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Zero gravity ? Ouais. Effectivement. Attendez, et là-bas ? Monte. Semblerait. Ok. C'est quoi là? C'est vrai qu'il sert à rien pour le moment. Oui. Quoi ce flingue là? C'est plutôt coriace là. J'ai plus de munitions. Formidable. Apparemment c'était plutôt le lance-flamme qu'il aurait fallu prendre. La prochaine fois je prendrai lui. Et donc du coup là... Ah, faut l'utiliser doucement. Ouais. Sauf que faut l'arrêter. Ah, faut en fait faut faire ça. Ça doit être ça. Monstre. Ok. Il donne rien? Il a rien donné lui. Même chose pour celui-là. La gravité normale, ouais, sûrement ça. Et donc, la suite, c'est quoi? D'accord, ici. Pour venir là.
D'accord, activer le panneau ici. Centrifuge. Ok, on a rétabli la gravité. Oula! Ouais, mais alors, attendez. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Ouais, mais t'es marrant, toi. Regarde ce machin. Regarde ce truc. Mais je vais pas y arriver là-bas, moi. Ah d'accord, fallait venir là en fait. Vite, 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 vite. Ah, ça m'a redonné du temps. D'accord. Oh là là. Dépoussiérisation. Très bien. Oh, c'est chaud. Bon, on va rester ici. C'est plutôt pas mal. C'était plutôt pas trop mal. Je vous souhaite une très bonne journée, les gens. Et je vous dis à bientôt donc sur la chaîne pour une prochaine vidéo, un prochain épisode, que ce soit eh bien, de Dead Space, d'Octopath Traveler, ou bien encore peut-être bientôt, vous l'auriez vu par le teaser, l'avènement eh bien, du bon et grand Darksiders qu'il y avait également sur la PS3. Ciao ciao tout le monde.